Isabelle Besouet, je suis auteur, compositeur, interprète. Et du coup, voilà, le projet existe depuis maintenant 10 ans, tout juste depuis le mois de février, ça fera 10 ans qu'il existe. Et j'ai une super équipe à mes côtés. Donc il y a à la guitare Michel Benjeloun, à la batterie Steve Belmont, à la basse JB Petri et au clavier Laurent Day. Alors notre musique, c'est un mélange de blues, folk rock, 70s. Après, c'est difficile d'essayer de définir un style particulier pour cette musique parce que c'est vrai qu'on a pas mal d'influences. On aime la musique des années 70, mais moi aussi j'aime énormément les sons folk, tout ce qui est au niveau des chœurs et tout ça. Donc on a essayé de faire un mix de tout ce qu'on aime en musique avec mon équipe pour faire un son à notre sauce. Donc je pense que notre style, vraiment, c'est du Gael Buzouel, tout simplement. Eh bien, nos projets futurs, ils sont très très proches parce qu'on a un nouvel album du coup qui est sorti hier, le 26 mars. Voilà, un nouvel album qui est notre quatrième album et qui s'appelle Your Journey, que vous pouvez retrouver partout, sur toutes les plateformes de téléchargement et dans toutes les boutiques. Et du coup, voilà, c'est notre quatrième album. On est vraiment très très fiers de cet album et de pouvoir le partager très bientôt avec vous sur scène. Donc après, voilà, on espère vraiment pouvoir retourner sur scène aussi rapidement, reprendre les tournées, parce que ça fait partie des gros projets aussi. Et puis voilà, comme tous les artistes, on espère que tout ça va reprendre très très vite. Un qui m'a énormément marqué, c'était quand même en 2018, parce que c'est un rêve que j'ai réalisé. On a réussi à faire toute la tournée française de l'artiste Johnny Lang, qui est un des artistes qui m'a le plus influencé dans ma musique. Et on a fini une date qui était à la Cigale, pour sa première partie justement. Et je me souviendrai toujours de ce moment-là. Et on a eu une standing ovation et c'était hyper émouvant. Moi, je me rappelle d'avoir pleuré carrément. Et c'était un grand moment et c'était super émouvant. Toutes les dates qu'on a faites avec lui étaient vraiment très, 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 très émouvantes. C'est un morceau que j'écoute en boucle depuis les années 90. C'est un morceau que j'adore. Je crois qu'elle a été sortie en 91, cette chanson, et c'est un groupe qui s'appelle Mr. Big. C'est une chanson, une de leurs compositions, voilà, des années 90, et ça s'appelle To Be With You. Et c'est une chanson en acoustique que j'adore. Un énorme mot à dire à notre public et à tout le public qui se déplace pour voir les concerts, c'est qu'on a juste hâte de vous retrouver sur la route. Et c'est surtout que quand les salles vont réouvrir, on vous attend nombreux à l'entrée des salles de spectacle. Parce que nous, on a hâte de vous voir. Et sans votre énergie dans une salle, c'est pas possible de faire un concert. Donc on a vraiment hâte de vous retrouver. You make it good already, James. So get up and make a plan now. Your journey starts today.